hésiter. On va buter cet espion rouge et en finir avec lui. On devrait pas appeler la Gestapo. Ça leur prendra une éternité d'arriver jusqu'ici. Qui va surveiller ce port en attendant? Bien vu. Très bien, bâtard de rouge. Dédie ta dernière prière à Marx ou à qui tu veux. Si tu nous supplies, réfléchira peut-être à la possibilité d'abréger tes souffrances. Ce que j'aime chez les méchants, c'est qu'ils discutent toujours beaucoup trop avant de se décider à appuyer sur la gâchette. Elle est bonne, celle-là. T'as rien à rouge? Et bon sang, t'es qui? C'est la blague de Hunter. Je ferais mieux de l'emmener voir Melnick. Quel que soit ton message, garde-le pour lui. Très bien. Allons vers la voiture blindée. Pavel, tu le conduis dans la voiture blindée jusqu'à notre Drésine. Ensuite, on sera tout prêt. Il restera que la brèche et la station noire. Et la mission, alors ? Hey, Melnick te filera une médaille si tu lui donnes des nouvelles de Hunter. Je m'occuperai de la mission. On se retrouve à la station, moi. Fais gaffe, là-bas. Tu devrais neutraliser la toile. On te repérera moins facilement. J'espère que tu sais te servir d'une mitraillette, petit. Eh ben les gars, bonne chance à vous. On essaiera de passer les barrages sans se faire remarquer. Si tu gardes ton calme, fermons peut-être les yeux sur le fait qu'on est l'équipe de remplacement. Si ça merde, fais ce que je te dis. Qu'est-ce que vous faites là? Ce véhicule n'est pas inscrit sur la feuille de transport. On nous a demandé de nous rendre au barrage... plus haut, Air Officier. Et pour livrer les munitions. Ils ont déjà reçu la cargaison de munitions. Qui êtes-vous? Remontez vos visières. Arrêtez! Alerte! À vos véhicules!
mon Dieu! C'est un Panzer! Après notre affrontement avec les trains des fachos, j'aurais pu penser que le plus dur était derrière nous. Encore une fois, je me trompais.